C'est la Coupe Vanier qui est présentée cet après-midi sur les ondes de TVA Sport. Janie Potvin, vous y êtes. Quelle est l'ambiance à ce moment-ci? On est dans le rendez-vous d'avant-match, Cindy. Donc, évidemment, il commence à avoir de plus en plus de gens qui se rendent sur place. J'ai essayé de trouver des partisans des Dinos de Calgary. J'en ai pas trouvé un seul. Ah, pour vous dire que l'avantage du terrain, nettement, pour le Rouge et Or, il faut comprendre que Calgary est quand même assez loin, tandis que Québec, ben, c'est à 5-6 heures tout de même. Alors, il y a plusieurs familles qui ont fait le voyage, plusieurs blondes de joueurs, de partisans du Rouge et Or. Et d'ailleurs, je vais vous amener ici, regardez ça. On a la famille d'Alex Ovington, qui est demi de coin pour le Rouge et Or. Alors, on a fait des pancartes. Je pense que, honnêtement, là, ça va être vraiment bruyant pour le Rouge et Or aujourd'hui. Oui! On s'attend à quoi comme match? Parce que là, je vous vois depuis tantôt, vous dansez. Vous voulez vraiment qu'il y ait une belle ambiance. Yes, mais je demande à Dieu une super de belle game, que les jeunes puissent s'amuser, qu'ils puissent avoir du plaisir. Évidemment, victoire, oui. La Coupe Vanier. On veut soulever la Coupe Vanier. On veut la Coupe Vanier. Alex l'a eu à la première année et il me semble que ça terminerait bien son année d'avoir encore la Coupe Vanier. Oui, évidemment. C'est vraiment un rêve. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le Rouge et Or tente de mettre la main sur une 9e Coupe Vanier et une première depuis 2013. Alors, rendez-vous d'avant-match qui se termine bientôt. 12h30 à TVA Sports, c'est le rendez-vous qu'il ne faut pas manquer avec la présentation de cette 52e Coupe Vanier. Merci, Janie. On va suivre ça.